Je tiens d'abord à remercier les gens qui sont restés, puisque vous seriez partis, ça aurait un petit peu fait une conversion en euros, hein, voilà, donc c'est très très bien d'être resté. Et en plus, ce n'est pas du tout être resté en dépit de la programmation, puisque j'ai trouvé Emmanuel et Benjamin passionnants, chacun dans leur genre. Donc voilà, vous êtes finalement des espèces de privilégiés d'une soirée entre ceux qui sont à Dour à se faire tremper et ceux qui sont chez eux devant la Starac alors qu'il n'y a plus. Donc voilà, merci infiniment d'être là. Merci à Yves et Sylvain, merci aux gens dont je ne connais pas le nom mais qui sont là. Et puis c'est parti, on y va et amusez-vous bien, j'espère. Je viens un verre d'eau. Une bouteille d'eau. Je viens une bouteille d'eau tantôt. Et voilà. Merci à Robo, merci à Pompon. Et c'est parti, une petite chanson un petit peu calmos pour commencer, et puis on actionne l'histoire. Voilà. On a vu les vuvuzelas, puis on n'a plus rien entendu. On a vu la mine des Chiliens, quand 33 d'entre eux sont revenus. On compare les morts du sida à une sélection naturelle. Les trous dans les routes sont sournois, comme des mines antipersonnelles. Bonne année quand même, et à l'année prochaine. Et surtout, meilleurs vœux, si ça pouvait marcher un peu. Merci, pompe. On est tous bleus d'avatar, mais la 3D fait mal aux yeux. On a vu comment Benoît XVI dit pédophile de mieux en mieux. De la rue qui fait boule de neige, le nez à fond dans la poudreuse. La Belgique est en état de siège, mais la césarienne est foireuse. Bonne année quand même, je mets un peu plus de gratte. Et à l'année prochaine, meilleurs vœux et tout ça, merci. Si ça pouvait marcher parfois. Avec le réchauffement climatique, tout sera bio dans nos assiettes et tous les antibiotiques. On a eu du pain et des jeux, merci César, tu peux être fier. Du pain rassis et des jeux creux, à moins que ce ne soit le contraire. Bonne année quand même, et à l'année prochaine. Meilleurs vœux les enfants, si ça pouvait marcher vraiment. Végétarien, quand on sait plus sentir la viande, je suis devenu télétarien et je résiste même quand je glande cette pitonisation immonde qui gangrène tous les JT. Et c'est une fenêtre sur le monde, vaudrait mieux fermer les volets. Bonne année quand même, et à l'année prochaine, et surtout meilleurs vœux, si ça pouvait marcher un peu. On va essayer tout le monde ensemble, même si on vous convertit en euros, vous êtes 400, donc c'est parti. Sans ça, si ça pouvait marcher ce soir. Très bien. Alors, j'ai expliqué un peu off caméra comme ça, parce qu'il y a plein de caméras qui tournent. La dernière fois que je suis venu à la MJ, c'était jamais en condition normale. C'était soit avec les sbires qui sont soit là, soit au bar, donc avec les Gervis, pour faire des concerts d'adieu, des concerts d'annif, des choses comme ça. Donc ça me fait un bien fou de jouer bêtement. Hein, je suis bêtement là devant vous tout seul. Et donc il y a plein de chansons que ceux qui ne sont venus que voir les Gervis ben, n'ont jamais entendu. En voici une petite. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et puis tantôt on fera des trucs des Gervis, moi tout seul. Et puis elle sera désaccordée souvent, ça, habituez-vous. Donc on va regarder si c'est, si c'est dramatique ou pas. Attends. De toute façon, la bonne musique, c'était Emmanuel et Benjamin, ça vous saviez. Donc moi, ça va être un peu du... ça, c'est bon. C'est parti. Une petite chanson écolo-bobo, ça sert à rien, comme les écolo-bobos. Et donc, on va actionner là-dessus. On se baladait à moitié nu, de Nieuport à Honolulu. On voulait juste faire un plongeon dans l'après-midi. Du noir s'est approché des terres, comme le requin des dents de la mer. Et on s'est tous mis à compter les poissons crevés. Oh, merci bébé.
midi ou à minuit, le pétrole continue de couler, et merci BP. On nous a dit tout va très bien, nous sommes les Américains, on va venir tout arranger, ce sera colmaté. Mais en fait ils avaient menti, même Obama n'est plus gentil, dorénavant tous les baigneurs ont la peau huilée. Oh merci BP, tout le monde. Sous la pluie, à midi ou à minuit, le pétrole continue de couler. Oui, merci BP. Deux inconnus sont morts noyés à Malibu. Deux amoureux qui savaient pas que c'était interdit. La Sarkozy en panne d'essence, un bas de fioul pour nos finances. À quoi bon voter écolo si on pourrit l'eau? Tout le monde. Oh, oh, merci bébé. Oh, soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, le pétrole continue de couler. Oui, merci bébé. Petite chanson d'amour que je vais dédier à Hélène, je sais pas si elle est là. Hélène, 14 ans, amoureuse de Mehdi. Je vais juste te dire ceci, Hélène, faut pas chercher Mehdi à 14 ans. Hélène, elle aime tellement les pompiers que quand elle en voit, elle s'enflamme. Hélène, elle aime tellement les tennismen que dès qu'elle en voit, elle l'accoste. Hélène, elle aime tellement les professeurs, attention, que quand elle en voit deux, elle les colle. Hélène, elle aime tellement les musiciens, que quand elle en voit, elle le viole. Mais elle aime pas David Copperfield, et d'ailleurs, elle l'évite. Hélène, elle aime tellement les barmen, attention Renaud, que quand elle en voit, elle le chope. Ah oui. Hélène, elle aime tellement les ramoneurs que dès qu'elle en voit deux, elle les suit. Hélène, elle aime tellement les pêcheurs que quand elle en voit, elle le drague. Hélène, elle aime tellement les cordonniers que quand elle en voit, elle le pompe. À Clavec, ça veut juste dire qu'elle l'embête, hein, paniquez pas. Mais elle aime pas tous les banquiers avec tous leurs mystères et tout ce que ces mystères cachent. Il y a des chansons très courtes, hein. Vous êtes prêts à faire un peu les fous? Hein, un petit peu les fous? Je vais demander à ma guitare d'un peu moins faire la folle, je vais m'accorder. Ça, il paraît que c'est un bon atout avec les filles au scout. Ah bon? De s'accorder, ouais. De son, quoi. Il y avait une corde juste, comme ça vous donne un pro rata. Un petit pro rata. Bien, une corde juste. Je ne joue pas mieux, mais ça sonne juste. Avant j'avais de l'argent et je mangeais à ma faim. Maintenant j'ai plus un franc, j'ai que d'Algériens. Alors j'ai vu une annonce dans les magazines musicaux et j'ai formé mon propre groupe de rail, les Cheminots. On a tourné partout, de Barbès à Charleroi, on a même failli ouvrir pour Oasis à Chérica. Je sais pas, il y a que ceux qui sont là-bas soif qui peuvent comprendre. Un soir au concert, je trouvais plus mon micro-voix. Un gars est venu me dire, t'en fais pas, je n'ai que jamais là.
posé dans la loge avec Aïcha. Un gars est venu me dire, grouille-toi, le groupe est déjà là-bas. Aujourd'hui, mon groupe est dissous parce qu'on a pris de l'acide. J'ai essayé la danse du ventre. Avec mes trois t-shirts, c'est presque vrai, mais je me suis pris un bide. Les derniers concerts que j'ai joués, je devais jouer moins longtemps que d'habitude et tout. Ici, j'ai envie d'un peu me lâcher, vous êtes restés, donc on va faire un concert long. Ce ne sera pas un concert, ce sera une saga, hein, comme dans C'est arrivé près de chez vous. Petite chanson que je joue plus, parce que je devais te le dire, Renaud, je joue de moins en moins de chansons du groupe, parce que j'aime bien le fait qu'elles étaient en groupe. Mais une chanson du groupe. Et puis, voilà. Ça s'appelle Tuner au cerveau. Et bizarrement, ouais, j'ai joué tout un temps tout seul et puis à moi, elle est passée en désuétude comme ça et puis j'ai envie de la rejouer ce soir. C'est parti. Dimanche passé à Mons Expo, salon de Turing à 9 euros, blouson estampillé Red Bull, le spectacle était dans la foule, l'affiche promet un show coquin, des sexy babes et j'invente rien, et 4 airbags en string panthère explosent les limites du vulgaire, et tout se vend et tout se vante, de l'achat de leur nouvelle jante, des néonbos et 400 watts, pour le poli d'entre leurs pattes, mais il leur reste qu'à des achats, pour emballer Adriana, l'Alpine Touch et comble du chic, sur le capot des croix celtiques, n'enverrait pas des millions, au salon de l'autodérision, c'est une maladie qui s'attrape tôt. J'ai sauvé le tueur au cerveau et ils pourront pas parler à ce parfum qu'on chante cet été. Dans notre auto, cette maladie, j'ai sauvé le tueur au cerveau. Ça va être compliqué, là. Lecteur DVD à l'avant, avant c'est pas pour les enfants, à l'arrière de toute façon y'a plus de place, c'est pour le caisson à tabasse. Les propriétaires tous VIP, frottent et bichonnent leur carrosserie, tous à rythme et foire au boudin, 50 cent et numéro 1, Fast et Furious et Need for Speed, font leur modèle ultra rapide, si tu veux réussir dans ce métier, même ta femme faudra la quitter, et dès qu'ils voient un casse vitesse, ils flippent à mort pour leur bas de caisse, et puis pour leur contrôle technique, ils doivent démonter toute la clique. N'enverrez pas des millions, au salon de l'autodérision, c'est une maladie qui s'attrape tôt. Ce sont des tueurs au cerveau et ils pourront pas parler. À ce parfum qu'on chante cet été, ça attrape tous ces maladies. Ce sont des tueurs en série, n'en verrez pas des millions au salon de la dérision. C'est une maladie qui s'attrape tôt. Ce sont des tueurs au cerveau et ils pourront pas parler. À ce parfum qu'on chante cet été, ça attrape tous ces maladies. Ce sont des tueurs en série. Applicable. Excellent. Alors, chanson qui est un peu basée sur la même trame. Oui, voilà. Donc, ce sont des accords en commun. Ah, pas mal ça. Hein, basé sur la même trame, ce sont des accords en commun. Hein, tu vois. Donc, elle parle un peu de la télécommunication. Donc moi j'ai toujours l'air un peu con avec mon GSM Jurassic quand je vois les iPods et les iPhones et les iPads et les iPartout. Et donc elle parle un peu de ça. Le refrain j'aurais besoin de vous, il est couplé aussi parce qu'il y a une queue de comète qui se termine par queue, mais il faut la marquer. Vous allez comprendre assez vite, ça donne ça. Musicalement c'est très pauvre, hein, je préfère avertir. Hein. Ça donne ça. Tellement à la pointe du progrès qu'il lit Tintin en numérique. Là, il y en a une qui suit, donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut quand même un peu faire semblant. Donc il faut faire que. Hein. Il faut être tous des maîtres que, comme Monsieur Robot qui sera bientôt maître que. C'est ça un maître que, hein, c'est un sommelier. Hein. Non, c'est un cuisinier. Ah, c'est un cuisinier, merde. Bon, c'est parti. Ou un associé. Ou un associé, exactement. Nous sommes associés. Ouais. Wow. Et vous et nous, nous sommes liés. Non, j'y vais. Tellement à la pointe du progrès qu'il lit Tintin en numérique. Voilà. Tellement à la pointe du progrès qu'il arrive parfois qu'il s'y pique.
Tout ce qu'il sait pas ne sert à rien, mais il a son cinéma. C'est si bon de se sentir bien quand il rentre tout seul chez soi. Ah, ah. Y'a que ses marques à lui qui sont bien, et il parle en jargon technique. Quand on, moi j'ai pas besoin de fausses grosses caisses, je peux pas faire. Quand on, je lui dis qu'il connaît rien, il te traite de préhistorie. Il a des copains virtuels, à chacun son émoticône. Vu qu'il parle que sur MSN, il risque pas de se retrouver à fond. À tout le monde, Georges est content, il a plus de matos qu'avant. C'est une attente, oui, Georges est content. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et qu'à tout, c'est une attente, oui, Georges est content. Passons-toi à télécharger, mais en VO parce que c'est chic. Yeah. Et dès que ça sort en DVD, il va les racheter chez Trafic. Yeah. Sous tout, et l'image faut pas en parler. Et puis, mais ça reste entre nous, monsieur, faites pas un bon anglais. Hey, tout le monde, Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il a tout, c'est tu l'attends, oui, Georges est content. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il a tout, c'est tu l'attends, oui, Georges est content. Ceux qui grondent, il adore surtout la mairie. C'est mis au poker comme tout le monde, gagne des sous à chaque fois qu'il clique. En vrai obsédé du réseau, il s'enfile la téléphonie. Plus besoin de se taper les pornos, vu qu'il part tous avec wifi. Georges est content, et il a plus de matos qu'avant. Et il a tout, c'est une attente, oui, Georges est content. Georges est content, il a plus de matos qu'avant. Et il claque tout, c'est une attente, oui. Georges est content, Georges est content, Georges est content. Georges est content, mais qu'est-ce que Georges est content. Très bien. À poil après. J'ai trois t-shirts dont j'ai bien marre. Je vais faire une chanson, un petit hommage à Emmanuel qui a repris magnifiquement Man in the Mirror. Moi, c'est une chanson qui parle un peu du monsieur qui avait écrit ça. Non, c'est pas lui qui avait écrit, c'était R. Kelly. Non, ici, il l'avait chanté en tout cas. C'est R. Kelly. Il s'appelle Michael Jackson est mort. Et là, j'ai besoin de vous au refrain qui est mon refrain préféré, je crois. Je suis un compositeur, je compose avec mes orteils atteints d'érysipèle, donc les musiques, c'est pas toujours mon fort, mais celle-là, j'aime bien le refrain. Sur le bout de ses doigts gantés, je connaissais sa bio par cœur. Quand il a eu le crâne brûlé, je me suis tondu dans l'heure. J'ai plus jamais bu un Pepsi, d'ailleurs j'ai jamais aimé le goût. Et c'est à ce moment précis que Michael est devenu fou. Lui aussi marchait sur la lune pour que le monde entier l'acclame. Et le même jour, Farrah Fawcett nous a joué son drôle de drame. La génération MTV lui doit plus que ses clips d'enfer. Tout un Peter Pan de ma vie pose désormais 6 pieds sous terre. Michael Jackson est mort. Bon, 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 Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Bon, 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 Michael Jackson est mort, et puis quoi encore? Faire croire à l'opinion publique qu'il pense à... Non,
ordre. Faire croire à l'opinion publique qu'il dort en caisson d'oxygène. Même ses fans les plus hystériques devaient dissimuler leur gêne. On disait qu'il referait Thriller sans avoir besoin de maquillage. Facile de cracher sur un mort, mais attention au saut de page. Lui qui se prenait pour Bambi ressemblait plutôt à Carabosse. Lui qui adorait les enfants sortait masqué avec ses gosses. Et quand sa sœur montrait son sein, une autre se les faisait refaire. C'était le rêve américain avec les coutures à l'envers. Denis m'avait dit, j'aime bien cette phrase-là. Donc ça me fait plaisir de te rendre hommage. On s'en fout, c'est parti. 3, Michael Jackson est mort. Et puis quoi encore? Bon, 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 Michael Jackson est mort. Ma pédale d'écho, donc c'est vous qui allez faire sur la tonalité normale Michael Jackson est mort et puis quoi encore, et moi je vais essayer de faire une voix au-dessus. 3, 7. Michael Jackson est mort. Il y en aura des pour l'État. Excellent. Alors, petite chanson, je suis prof dans la vraie vie, je suis prof pas loin, je suis prof à la télé, Eric Sansa. Foutez-moi la paix, je suis en vacances. Mais donc, les premiers jours de l'année, je pose en néerlandais pour leur faire peur la question qui tue. De qui les parents dans la salle sont-ils divorcés dans la classe? Il y a quelques années, j'avais deux doigts comme dans la Cité de la peur. Maintenant, j'ai 25 doigts sur 27. Et donc, ça m'a inspiré ça. Non, je n'essaierai pas la partie mélodique. Si, je vais essayer. Rien que pour vous, je vais essayer. Ça fait un an que j'ai plus fait comme ça. J'accuse le colonel Moutarde dans le bureau avec le chandelier. À toi de jouer, mais cache tes cartes au lieu de regarder la télé. Tu crois que quand je viens ici, tout ce qu'il me faut sera PSP. Tu ne connais même plus ma vie, alors arrête de l'insulter. Et ne me pose plus de questions sur le nouveau copain de ma mère. Si t'as envie de renouer avec, n'oublie plus son anniversaire. Et puis la fille que j'ai vue l'autre jour, elle aurait pu être ma sœur. Je sais que t'as besoin d'amour, essaye au moins de sauver l'honneur. Balala, 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 balala. Te moquer des plaques que je dois porter sur les dents. T'aurais pu répondre au message quand tu devais verser l'argent. Maman, on a pleuré l'autre jour, c'était ça ou bien les vacances. À propos, tu t'es bien marré, toi pendant 15 jours en Provence. Je sais que quand tu parles d'elle, tu dis la mère de mes enfants. Il faut être deux pour nous élever, mais tu n'as pas fait ton mi-temps. Toi qui cries partout qu'aujourd'hui, t'es plus heureux célibataire. T'as vu ta tronche quand je t'ai dit que j'allais avoir un petit frère. Balala, 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 balala. De dire que quand je fais ça, je ressemble à mort à maman. Tu es le seul dans la bouche de qui? Je sais que c'est pas un compliment. Si je pouvais t'acheter sur eBay, je n'augmenterais pas les enchères. Depuis que je dois vous partager, j'ai même plus la moitié d'un père. Banana, 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 banana. Thank you.
c'est un petit triolet de chansons un petit peu moins, moins rigolote, rapide que je vous faisais. Voici la troisième qui est de loin ma chanson préférée. C'est une drôle de chanson parce que j'avais d'abord écrit ça en pensant que je devais l'actualiser tout le temps puisqu'elle parlait un peu de l'actualité. Et puis les choses dont je parlais dans la version d'origine sont tellement restées vraies des années après que je l'ai maintenue. Parce que c'est hallucinant que ce soit resté vrai en fait, puisqu'on espérait que ça évolue mais rien n'a bougé. Ça fait un peu penser à la Belgique au niveau politique, mais il n'y a pas que ça qui n'a pas bougé. Donc vous allez voir. Hésite à entrer en contact. On lui faut rigoler un coup. Les faits divers, même en été. Mais si c'est arrivé près de chez nous, alors on pleure pour être filmé. Les profs portent un gilet pare-balles, car on n'est jamais trop prudent. Tout ça leur a tellement fait mal qu'ils ne survivront qu'enseignants. Depuis qu'Al Gore a réveillé les bonnes consciences dans les chaumières, les fumeurs sont pestiférés comme s'ils avaient la grippe aviaire. Par contre l'alcool est au pouvoir, et grâce au journal d'RTL, un mauvais Alsace de Gaspard devient une star à DSL. Depuis que Philippe prend pour l'élu et que Laurent est à la fourrière, le roi qui a jamais rien foutu a au moins du souci à se faire. La marée chaussée fait du zèle comme s'ils avaient été augmentés. C'est eux qu'on surnomme les poulets, mais c'est nous qui nous faisons plumer. Y'a plus qu'en cas de pédophilie et de coups de couteau dans une crèche, que la Flandre et la Wallonie comprennent que c'est le même sang qui sèche. Alors on fait des marches blanches et tous les drapeaux sont brandis. On porte un silence le dimanche, tous ces gosses morts pour l'apathie. Les attentats suicides en plein milieu d'une plaine de jeu. Tout autour y'a le vide et puis au centre y'a le feu. Même si le tueur est polonais, on accusera les musulmans, mais on ne tolérera jamais leurs propos anti-occident. De tout le royaume animal, de ce pas seule race inhumaine, les dinosaures faisaient rien de mal, mais ils ont disparu quand même. Pourtant depuis que l'humanité se précipite vers le trou noir, pas besoin d'être un Bogdanov pour deviner la fin de l'histoire. Je sais pas s'il faut un refrain, et de toute façon je sais pas où le mettre. Je suis sûr que dans tous ces machins, il faut rien prendre au pied de la lettre. Font sans doute ça pour nous faire peur, comme ils l'ont fait dans l'émission. Surtout ne changez rien à cette heure, ceci est sûrement une fiction. Hey morceau. C'est une chanson qui résume un peu justement quand le groupe s'est arrêté, un petit peu tout ce qui s'est passé, que personne n'a entendu ici, je pense, parce que j'ai jamais pu la jouer quand je jouais ici. Elle s'appelle « Putain, j'ai failli être connu ». Putain, j'ai failli être connu. Adieu groupie, adieu petit cul. Plus jamais de barrière nadar, de backstage pour faire ma star. Putain, personne à la sécu. Putain, j'ai failli être connu. Adieu groupie, adieu petit cul. Plus jamais de barrière nadar, de backstage pour faire un star. Plus de personne à la sécu. Comme un star vous bien avant moi. Tout en haut je voyais déjà. Tout à coup j'ai eu peur du vide. Dans les sans ailes c'est du suicide. Je dormirai jamais à l'hôtel. Je passerai jamais un décibel. Dommage pour 50 degrés nord. J'aurais pu me la péter à mort. Je jouerai jamais à Forêt ou alors au café d'à côté. Jouer là-bas c'est pas si mal. C'est comme Forêt mais sans la salle. Oubliez la promo télé. Entre soirées, Saint-André, t'oublies le matraquage radio. Entre Stromae et James Dino. Putain, j'ai failli être connu. Adieu groupie, adieu petit cul. Plus jamais de barrière nadar, de backstage pour faire ma star. Plus à la personne à la sécu. Putain, j'ai failli être connu. Adieu groupie, adieu petit cul. Plus jamais de barrière nadar, de backstage pour faire ma star. Plus à la personne à la sécu. J'aurai jamais d'attaché de presse pour me dire le temps qu'il me reste avant la prochaine interview. Copier
à tout. Je percerai jamais à Paris. Faire l'accent pour cacher qui je suis. Et peut-être même si la prod veut bien, un titre emblème qu'à la fin. J'aurai jamais les cartes du corps. Une étoile pour parler plus fort. Une oreillette comme un Matrix. Mais jamais manger ce low quick. Vous verrez jamais dans Voici. Au moins d'une poule de Love Story. Vous n'irez jamais dans Closer. Ma propre scène n'est pas Thomas. Putain, j'ai failli être connu. Adieu groupie, adieu petit cul. Plus jamais de barrière nadar, de backstage pour faire ma star. Putain de personne à la sécu. Putain, j'ai failli être connu. Adieu groupie, adieu petit cul. Plus jamais de barrière nadar, de backstage pour faire ma star. J'y suis allé, j'en suis revenu. Quand je joue ça devant vous, j'ai l'impression d'être un végétarien qui parle à un boucher. Vous voyez, donc c'est ça que je suis content que vous l'ayez entendu. Merci, bonne soirée. La première couche. Ah, attention. Ça commence. La deuxième couche. Aïe. C'est un mille feuilles. C'est plus qu'un mille feuilles, ça. Bon, pouvez-vous lever si vous êtes assis. Attention. Pouvez-vous décoller des radiateurs, parce que je t'ai vu, hein, si vous êtes debout. Ça m'a un peu jerqué, là, maintenant. Ok madame, on se rapproche les enfants, on se rapproche, vous êtes assez reposés, hein, vous êtes assez reposés, vous êtes restés, pas pour rien, donc debout, debout là. Debout là. Se maquille, John l'a invité à Gosley à une soirée méga branchée dans une ancienne boîte de PD. Camille se fait jolie, trois mois qu'elle était plus sortie qu'au cybercafé Média Plus quand elle avait tué un virus. Ça, Camille est fin prête, elle est sûre que c'est un poète et qu'il lui fera voyager autant qu'elle attend fait pleurer. Mais Camille s'est moustille tout à l'heure à la pharmacie, elle a bredouillé mal à l'aise une boîte de Maxi goût fraise ou pinaise. Palam palala, palam palala, palam palala. Elle se fourlait chez les babines, car cette nuit, si tout va bien, ils vont se faire un royal câlin. Mais Camille s'impatiente, il fait l'appeler vers 7h30 ou envoyer un SMS pour encore lui rappeler l'adresse. Camille n'en peut plus, elle se souvient du nom de la rue, un petit coup d'œil sur le plan. Et mon Dieu, ce qu'elle avait, elle est lent. Camille se rapproche, son horoscope dans les poches, lui a prêté une grosse surprise. Deuxième à droite après l'église, je sais pas où l'église. Pala, pala. Sur le parking, y'a que des connes. Elle veut qu'il la remarque tout de suite, être plus jolie que sur le site. Camille est entrée, 15 euros quand même enfoirée. Elle scrute les visages dans le noir et finit par l'apercevoir. Et là, elle s'effondre, elle doute encore à cause des ombres. Elle veut être sûre, elle fend la foule et tout son petit monde s'écroule. Comme toi, s'écroule comme toi. Hey, écoute-toi. Il faut faire le palalala à ma place en fait. Ah, Linda a compris. Vous êtes ma pédale vivante. C'est une pédale vivante. Camille Salamon, son Johnny sort avec une tente. Elle pensait pas que c'était possible que son amant se groupe de cible. Camille Camisole, et elle se rue sur la grande folle. La main aux lèvres, elle va le tuer. Lille, mais qu'est-ce que t'espérais? Et là, elle déraille, sa surprise aux histoires de taille. Elle sort son guider de son sac et sort la gorge de Morbac. On n'est pas là pour rigoler. La 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 la
permis ce maquis. C'est l'avocat qui lui a dit que ça pouvait influencer le jury si elle mettait un peu de vernis. Camille adultère, elle a rien dit, elle est honteuse. Faut jamais tomber amoureux d'une police de caractère gras. Alors j'avais dit que je voulais jouer un peu longtemps, donc je vais vous faire des chansons que je ne joue jamais, ce qui suppose que ça va être un petit peu comme ça. Voilà. Parce que moi je suis un gros fan de films d'horreur, je ne regarde plus que ça, parce que la réalité m'effraie, comme dirait je ne sais plus qui. C'est ce que j'ai dit, c'est pas ce que c'est. C'est moi. Ah ben avec ce masque, c'est génial, vous m'entendez quand je parle? Oui, c'est pas. Parce que je vois même ce que je joue à la guitare. Donc normalement il y a tout un décor à la Maiden derrière avec des monstres qui attaquent et tout, mais ça parle des films d'horreur, je sais pas si vous aimez les films d'horreur. Non. On comprend dès le générique, rien qu'en entendant la musique, des cris, des couleurs, des hurlements et une machette en gros plan. On va d'abord nous présenter une bande de jeunes écervelés. Ils sont très cons mais ça fait rien, seront quand même tous forts à la fin. Y'a toujours l'idiot du village, le vieux bougon et ses présages, et la station d'essence pourrie, c'est le signe que c'est mal parti. La nuit fait toujours dégueulasse, toujours un orage qui menace, et pourtant qu'importe le scénar, c'est la pleine lune tous les soirs. Une meuf, une blonde de préférence, envoyée en reconnaissance, évidemment elle se baigne à poil, dans 10 secondes le méchant l'empale, ça giclera des litres de sang, mais synthétique évidemment. N'empêche parfois faut m'expliquer, comment ils se plaisent pas pour du vrai. On s'est une fois fait tous les sauts, même le dernier qui se passe dans l'eau. Le titre bien sûr ça avait pas le choix, mais c'est sous d'eau, ça va de soi. En fait c'est comme les films de cul, t'en as vu un, t'es à tous vus. Et puis c'est la porte de sortie, des pornostars qui se rhabillent bou. T'as peur, bande mais t'as vu slasher. Quand t'es mort, c'est le décalage horreur. Pas fini. Y'a rien de plus gay quand on s'ennuie que se taper un film de zombies. Après quand on traîne dans le quartier, ils ont tous l'air contaminés. Y'a la scène où le méchant fait le mort et tout le monde se réjouit à tort. Car juste quand le gars lui touche le bras, il se redressera comme un ninja. Freddy Jason c'est des malins, même décapité à la fin, ils reviendront encore plus fort. On tue pas la poule aux œufs d'or. N'empêche qu'est-ce que ça fait du bien d'en voir juste crever quelques-uns. Car le véritable film d'horreur c'est pour le journal de 20h. Où t'as peur, dans tes tabus slasher. Quand t'es mort, c'est le décalage horreur. Où t'as peur, non mais t'as vu slasher. Quand t'es mort, c'est le décalage horreur. Excellent, c'est la première fois que je l'ai joué avec le masque parce que j'avais peur que personne ne pige. Merci à vous. Parfait. Alors maintenant, mesdames et messieurs, je vais en faire une un peu chiante, mais qui décrit une situation chiante dont moi j'ai décidé de ne pas faire ma vie, Cécile non plus, vous non plus. Mais il y a des gens dans cette salle qui ne sont pas profs. Et donc, qui ont des collègues. En politique. Ah Yves, t'as des collègues, toi. Oui. T'as des collègues. Voici une chanson qui s'appelle Mademoiselle mange avec ses collègues. Elle est un peu chiante, mais la situation qu'elle décrit est un peu chiante aussi. Je la joue jamais, donc j'espère que la mémoire ne va pas me jouer des tours, mais c'est parti. J'avais très envie de vous la faire, de toute façon. Donc au pire, vous patientez 2 minutes 30, et j'en ferai une que je maîtrise de A à Z après. Mademoiselle mange avec ses collègues. Elles ont rien à se dire, alors elles parlent collègues. De celles qui sont pas là et pourtant elles adorent. Souvent dans ces cas-là, les absents ont tort. Et ça rigole beaucoup, mais les blancs sont intenses. Faut plus rien dire du tout et faire semblant qu'on pense. Elles critiquent en gloussant le nouveau manager devant leur délicieuse salade aux 3 saveurs. Elle est contente, elle paye en chèque repas. Elle avance même 57 pour un coca. Mais sa collègue lui remboursera lundi, car ce sont ses collègues, mais presque ses amis. Mademoiselle ne fait pas se draguer au boulot. Elle va se fiancer bientôt avec Marco. Il y aura une cagnotte et tout le monde va donner. L'autre jour, Agnès F. lui montrer le bébé. Mademoiselle reconnaît, même si un peu honteuse, qu'elle est toujours la première à la pointeuse.
Une fois elle a failli, avant qu'elle n'en rougisse, détraquer la machine et filer à moins 10. Mademoiselle sait qu'elle est un peu convenable. Elle rêverait d'une vie un peu moins raisonnable. Mais elle sait bien que Marco la fera pas voyager, alors elle écoute ses collègues raconter. Surtout celle qui revient et qui est beaucoup trop brune. Et qui crie fort maintenant qu'elle a plus une thune. Oula. Mais qu'elle vient de passer 15 jours au paradis, mais entre les Seychelles et les Fidji. Mademoiselle fait semblant de savoir où c'est. Elle est un peu mal à l'aise, alors elle doit bosser. Un petit coup de cafard devant cette mise au vert, mais animé l'urgent la fait revenir sur terre. Mademoiselle est réglée comme une horloge. Alors tous les midis, jamais elle n'y déroge. Mademoiselle rejoint ses chers collègues dehors, elle sait surtout que les absents ont toujours tort. C'était vachement important pour moi de pouvoir vous faire cette aussi comme ça, en petit comité sélectif, c'est parfait. C'est carré. Bien. Attends, c'est celle que je maîtrise bien, ça va venir. Allez, allez, allez. Soit j'ai pris la grosse. Ah, elle m'a le plié. Alors, trois chansons, là, un petit triolet. Un petit triolet. Comme Benjamin Triolet. Deux chansons sur le foot, une chanson sur la Belgique, ça va flyer, ça va faire ça. Foot dit la coupe Bafana et vous vous êtes là. Qui dit la coupe dit bien sûr que les diables rouges sont pas là. Qui dit Allemagne dit Mannschaft, qui dit Rital dit Azzurra. Et qui dit Brésil dit goal, mais si c'est pas goal c'est caca. Qui dit faute dit penalty ou tir au but si c'est match nul. Et même la main de Thierry Henry freine pas les bleus d'être ridicule. En plus ils dorment dans des palaces, cœur d'outils ce budget de la France. C'est pour mieux se taper des pétasses, bien sûr mineurs de préférence. Qui dit Rooney dit anglais, qui dit Ribéry dit sextoy. Alors on regarde pour applaudir tous ces cow-boys. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa pa la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout pa la pa 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 la. Alors on fout. Merci infiniment. Sur le foot international ou ce qu'il en reste. Maintenant une chanson sur le foot belge ou ce qu'il en reste. Parce que toi t'es pas là pour le sentir, mais putain ça fly. Hein. En Belgique ça fly tous les jours. Il y a les grosses coupes dégueulasses là de Standard, Anderlecht et tout ça. Et donc ça s'appelle 1-2-3-0 et ça donne ça. Et 1, et 2, et 3-0. La tête du poteau comme tous les aficionados. Et 1, et 2, et 3-0. Les réactions à chaud des Falcons et c'est Rodrigo. Et 1, et 2, et 3-0. La tête près du poteau, moitié but en moitié raseau. Et 1, et 2, et 3-0. Les réactions à chaud des Falcons et c'est Rodrigo. C'est parti. T'en rates pas, même si t'attendre, vous laisse taper plus belle la vie. Dans le salon, c'est le 11 septembre, chaque fois qu'il rate un penalty. T'es bien d'accord avec la pub, avec toi les hommes savent pourquoi. T'en es à ta quatrième jupe, mais quand on aime, on compte pas. C'était Standard ou Anderlecht pour frimer dans les cours d'école. Mais ça se terminait pas avec une fracture de la malléole. Comment montrer à nos gamins que le foot est un sport génial. Quand ce qu'on envoie à la télé, tiens plus du règne animal. Tu te souviens la larme à l'œil du fameux drame du Heysel. Tout le pays a porté le deuil, et sont les Anglais qui paye, mais on n'a même plus besoin d'eux. Les joueurs eux-mêmes sont devenus des hooligans à être connus. C'est parti. Et 1, et 2, et 3-0. La tête près du poteau comme tous les aficionados. Et 1, et 2, et 3-0. Les réactions à chaud des Falcons et c'est Rodrigo. Et 1, et 2, et 3-0. La tête près du poteau, moitié mutant, moitié maso. Et 1, et 2, et 3-0. Les réactions à chaud des Falcons et c'est Rodrigo.
Certains ont à 45 ans le corps d'un septuagénaire. D'autres dépriment malgré l'argent, finissant tous au cimetière. Tous ces joueurs qui aujourd'hui sont tous noyés dans les scandales. Gilbert Bonnard au gros dehors, finalement s'en sauve pas trop mal. On les désigne pas par leur nom, mais par tous les millions qu'ils coûtent. Et personne ne se pose de questions, y a-t-il que moi que ça dégoûte. Je suis plus supporter de rien, dites-moi la danse qui est supportable. Et je n'aime pas parler des diables, motherfuckers. Et 1, et 2, et 3, 0, tout le monde la tête près du poteau comme tous les aficionados. Et 1, et 2, et 3, 0, les réactions à chaud des Moncos, et c'est Rodrigo. Et 1, et 2, et 3, 0, la tête près du poteau, troisième mi-temps et apéro. Et 1, et 2, et 3, 0, les réactions à chaud des Moncos, et c'est Rodrigo. Allez, 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 we are the champ, we are the champ. Allez, 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 we are the champ. Nous avons sur le gouvernement, ça serait pas mal. Oui, j'en reviens sur le gouvernement, t'inquiète. Ah, ça va. Mais 14 juillet aidant, je fous plus rien, pour le moment j'écris plus rien et tout, je me repose un peu sur mes acquis, parce que... Parce que voilà, il y a des périodes comme ça où on écrit beaucoup et d'autres où on fout rien et on joue. Et voilà, pour le moment, je joue. Mais j'ai quand même actualisé ce matin une petite chanson de circonstance. Il y a quelques années, j'avais écrit Le Labo en parodie à Sarkozy sur l'air des bobos de Renault. Ça, tu peux enregistrer, ça, c'est inédit du cul, hein, c'est inédit d'aujourd'hui. Hein. Et donc, j'ai réactualisé un petit peu les paroles. Maintenant, j'ai un copion comme un gros con et j'ai oublié mon lutrin. Donc, ça va être un peu comme ça. Hein? Donc voilà. De toute façon, lui ne chantant plus que comme ça, on peut y croire. Hein? On l'appelle le Karcher en herbe, ou bien Sarko pour ses copains. Avec TSK dans la merde et son moutard, tout va très bien. Il présente un nouveau profil, bien loin du vieux, son ancien pote Mussolini, en moins viril, j'entends déjà des bruits de bottes. Il a un humour carnassier et un regard qui croit faire peur. On le voit partout à la télé, mais son surnom lui fait horreur. Qui voudrait bien être les Didi. Dans la presse People il s'affiche toujours à côté des plus petits. Comme les bleus il n'en touche pas une. Et il insulte ses sujets. Aux Français il promet la lune. Et pour ça il fait pas de quartier. C'est vraiment le guignol ultime. Et comme toujours il gesticule. Depuis le début il pantomime. Oui mais c'est la France qui l'endure. Chanson, ta-ta-ta, camarade, bourgeois, camarade, tout ça, papa, rejoins les rangs de l'armée, t'es témoin d'énerver, regarde-toi, regarde-toi. Excellent! Excellent! Donc, je m'étais interrompu dans mon truc là. Donc ça c'est sur nos voisins qui seront un jour peut-être les gens chez qui on habite. Mais alors je ne serai vraiment plus là. Moi j'irai te suivre. Donc voici, ça c'est sur moi. Ils sortent et baissent la tête comme s'ils sortaient du bagne. Certains sont rouges de honte, ils ont perdu la main. Au suivant, au suivant. Ça fait plus de 300 jours, même plus de 420, que même le suivant fait pas mieux, pas assez. Au suivant, au suivant. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est tous la risée, vu le bordel ambulant de ces épouvantails. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de concret, ou alors des idées, ou un gouvernement. Mais au suivant, au suivant.
Que ce soit l'eau de travelot ou le gros qui caracole, il ferait mieux de surveiller un peu son cholestérol. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce do even mes couilles, c'est des coups à comprendre qui sont tous impuissants. Au suivant, au suivant. Je jure sur la tête de tous mes bulletins de vote que ma foi je regrette qu'elle ait servi à rien. Au suivant, au suivant. Eux qui voulaient le pouvoir, tellement ils en raffolent, ils font tellement les cons qu'il va y avoir du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis chaque soir, à l'heure du JT, on les voit mal à l'aise, qui semblent supplier. Au suivant, au suivant. Tous les Belges du monde devraient prendre la main, voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire que ce bouffon vive le terme était bien finalement. Au suivant, au suivant. Un jour j'irai au Tchad ou à Honolulu, enfin de ces endroits où je ne les tomberai plus. Au suivant, au suivant. Ça fait quelques mois que j'en joue celle-là, mais j'ai rarement une version pareille parce qu'il y avait une espèce de retenue comme ça. Et c'est pas parce que je suis prof que je dis ça. Hein. Arrête d'être prof, Anu. Arrête d'être prof, Anu. Partir pour les vacances, t'es fou, quoi. From the flamand. En plus. T'imagines, c'était le veau, on devra. Bon, attends, moi je vais un peu. Moi, je vais un peu moins parler parce que la chanson aussi, elle me crève. Mais vous, vous allez voir un peu gâché. Hein? Je dédie cette chanson à Trio. Évidemment, il faut faire. On n'est pas beaucoup, donc il faut se multiplier en euros chacun. Hein? C'est les Gremlins. Hein? Il faut faire des petits. Il faut faire des petits. Allez, les petits, on s'assied pas, non. On s'assied pas, on gâche. On gâche, non. Ça, il faut faire yo 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 yo. Dans toutes les soirées, la maison des jeunes a chumé. Entre Capitaine Flamme et soldats d'un dissolder, il y a toujours un moment où le DJ croit judicieux de changer de style, de nous emmener vers d'autres cieux. On a pourtant déjà entendu Sweet Dreams et Ironic. On s'est déjà tombé dans You Forget About Mick. Mais il s'arrête pas là, il continue et il persiste. Et il passe une bouse qui casse les murs à toute la piste. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, même si c'est pas malé. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, quand on sait pas danser. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, quand on a le pied cassé. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, même si Denis vient d'entrer. Donc dans toutes les soirées de Jules Sansard à Louvain-Neuve, entre David Guetta et I Just Can't Get Enough, il y a toujours un moment où ce couillon croit important de passer ce truc entre Panic Machine et Plastic Bertrand. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, même si c'est Bob Marley. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, oui même en Burundi. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, quand le bar est fermé. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est très chiant parce que depuis les crashs des sons peut plus fumer. Quoi qu'il y a pas de problème parce qu'il marquait dans plus le son qu'avant octobre. Ah non la craque. Ah. Arrêtez. Ah de la craque. Vous aviez fini. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, mais mal accéléré. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, mais mal accéléré. Que c'est chiant le reggae. Le reggae c'est chiant, mais mal accéléré. Que c'est chiant le wala 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 wala. Le reggae c'est chiant, 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 c'est chiant. Master, master, comment sauver une chanson en deux secondes, merci. Je peux encore avoir un peu de bruit et une lumière s'il vous plaît. Alors, j'ai eu affaire à des publics
certes parfois plus nombreux que vous, mais surtout parfois moins bien éduqués que vous. Et donc, il y avait des espèces de rastafariens, d'ailleurs il fait rien, qui sont venus un peu me trouver fâché, pour me dire qu'il n'y avait pas, c'est pas vrai, le reggae c'est chouette et tout. Et donc, pour sauver ma peau, j'avais dû expliquer qu'il y avait évidemment plus chiant que le reggae, même s'il fallait gratter à la médiathèque, et j'ai trouvé ça. Je vais faire un solo, donc je voudrais bien du silence, un petit peu. Fatigué d'entendre toujours ce même accent. Quand je serai fatigué d'entendre parler des oiseaux et des clans, j'irai voir dans la clairière, c'est là qu'habite la vieille sorcière, et je demanderai que la dame lui ôte sa voix. Il y a des chansons comme ça qu'on fait à certains endroits et pas à d'autres, parce qu'il y a d'autres où c'est moins relevant, comme on dit en flamand. Et il y a des chansons que je dois faire quand je joue dans le coin, évidemment. Donc c'est une chanson qui s'appelle Walibi. Quand je fais ça à Marienbourg, ça a moins d'écho, tout de suite. Mais quand je fais ça près d'ici, ça parle aux gens, parce qu'on est tous allés. C'est pas une chanson méchante contre Walibi, c'est une chanson méchante contre Walibi. Voilà, tous ceux qui ont eu un job d'étudiant là, tous ceux qui sont un jour allés, tous ceux qui savent ce que ça douille quand on est parent, sauront de quoi je parle. C'est de 5 Santé de Denis et de MJ, s'il vous plaît, parce qu'ils sortent bien leur épingle du jeu, on va dire. Ils tirent bien leur épingle du jeu. Ah oui. Chanson sur Walibi. Vous connaissez un peu? Non. La chanson, non? Si vous ne connaissez pas, écoutez bien, parce que je suis assez content du truc. Mais ça va très vite, c'est du Renault. Hein. Cette fois, ça y est, c'est décidé, ça fera une journée en famille, à 10h pile devant l'entrée, devant les portes du paradis, les 6h optique et parking, ça coupe l'appétit d'entrée de jeu. Les parents sont tous des grands schtroumpfs qui font chauffer la carte bleue. Après 1h30 de fil, nous voilà arrivés en haut, et on aperçoit deux débiles qui crachent du haut du vertigo. On dirait l'émission Striptease qui se termine en nuit intégrale. Ça chic, ça fume, ça gueule, ça pue, y'a pas qu'aux yeux que ça fait mal. Pas besoin d'entrer pour se faire peur dans le vieux château des horreurs. Tendez l'oreille, ouvrez les yeux, ou fermez-les, c'est encore mieux. Leurs fringues, ils les ont inventées ou commandées pour l'occasion. C'est à qui sera le plus mal coiffé. Et puis c'est la guerre des boutons, des prénoms qui n'existent pas ou qui valent 100 points au Scrabble. Et ils se déplacent toujours en bande, on ne va jamais là-bas tout seul. Des filles de 13 ans qui en font 20, au bras de malins grands survêtes, pendus des heures à leur mobile, à continuer leur causette. Elles font bien sûr les hauts talons, maquillées comme un pain pita. Ouais, si la sauce avait coulé, ça ressemblerait un peu à ça. Pas besoin de faire le Val Top Terror pour tomber de haut, vu le décor. Tendez l'oreille, ouvrez les yeux, vous fermez les. C'est encore mieux. Tous ces crétins qui s'invectivent, même s'ils savent pas ce que ça veut dire. Imaginez l'aqualibi, c'est la même chose en 10 fois pire. C'est un mélange de pornostar et de baleine qui se cache à l'eau. Fait plus propre à l'eau à la neuve, avec les 24 heures vélo. Mais ça vend des doses pour obèses, à 15 euros le litre de coca. Et dans un bon verre en plastique, que l'on ramènera chez soi. En tout cas la pub ne ment pas, c'est vraiment un parc d'attractions. Mais c'est pas dans les voiturettes, c'est dans la file qu'on fait des bons. Pas besoin de faire la rivière sauvage, ils éclaboussent le paysage. Tendez l'oreille, ouvrez les yeux, vous fermez les. C'est encore mieux. Merci infiniment.
Je fly parce que je vois quelques bâillements qui arrivent et je comprends très bien, c'est fatigant ce que je fais, puis il y a eu les deux sbires avant. Petite chanson que je fais plus jamais parce qu'elle est un peu... L'ambiance était bien, puis bah. Mais je la fais quand même parce qu'aujourd'hui j'ai envie que l'ambiance soit bien, puis bah. Donc voilà. La première chose que tu vas entendre, à peine tu seras sorti du ventre. Bravo docteur, il a pleuré, maintenant nos vies vont basculer. Ils vont te dicter ta conduite, et ils vont commencer tout de suite. Au début, t'as l'ange gardien, suffit de chouler pour que tu sois bien. Après viennent les premiers bobos, parce que t'es tombé de ton vélo. Et ça continue à l'école, on te promet pour des bricoles. On te félicite de tes progrès, on dit que t'es grand, on dit que t'es prêt. Oui monsieur, il a été sage, demain c'est journée bricolage. Merci s'il te plaît, tu regardes avant de traverser. Demain on enlève les petits trous, tu as écouté vraiment tout. Mais ça ils avaient oublié, ça ils t'en ont jamais parlé. Et quand le monsieur à lunettes a arrêté sa camionnette, t'as pas de petite voix intérieure, sur ton vélo toi t'as pas peur. Le monsieur dit que tu lis bien les plans, et puis t'adores aider les gens. Toi aussi t'aimes les petits enfants, mais on peut pas quand on est grand. C'est le seul truc qu'on t'avait pas dit, t'étais trop jeune, t'étais trop petit. C'est le seul truc qu'on t'avait pas dit, t'étais trop jeune, t'étais trop petit. La première chose que tu vas entendre, à peine tu seras sorti du ventre. Bravo docteur, il a pleuré, maintenant nos vies vont basculer. C'est moi que j'avais pu jouer, merci. Parce que mes petites chansons, c'est un peu mes bébés, donc quand on me demande de faire une heure, par exemple, et je dois en écarter 10, et ben c'était une des 10. Faut pas l'écarter alors? Bah non. Non, que je dois écarter. Petite chanson que je n'écarte plus non plus, mais musicalement c'est un peu chaud, donc je la fais a cappella. D'habitude je la fais a cappella, moi je dois la faire avec Sansard. Marilyn Lights à tes pattes, qu'à ton troisième slim fast, tu es perdu 100 grammes, Marilyn Light. Tu voudrais t'en arriver au poids recommandé dans le nouveau Top Santé. Marilyn Light, tu te forces, surtout depuis ton divorce, à vomir tes dîners. Marilyn Light, tu voudrais t'en ressembler à ces squelettes friqués que l'on voit défiler. Il y a dans ton frigidaire des plats bio bien chers et des plats Weight Watchers. Il y a aussi là-bas, caché derrière tout ça, pour les nuits d'insomnie, des dizaines de biffies. Marilyn Light est ravie de voir que tes amis ont encore pris du bide. Marilyn Light, oui c'est toi, un jour qui sauvera tous ces gens méga gras. Ah, je vais essayer un truc. Deux ans de voyage, ça comme tu. J'ai l'air con, mais c'est le but. Hein. Et moi, tu es de notre galaxie. Oula, oula, oula. Le ridicule ne tue pas, sinon je serais mort sur place. C'est un truc que j'ai reçu au Quick. Ah, ouais, mais... C'est pas mal, là, comme ça. Tu m'attends, il est dans une. Dans une autre galaxie. Bien. On y va. Vous êtes prêts à faire un peu de rock and roll, motherfuckers? Ça va. Il était fou de vidéos, surtout les films de super-héros. Enfermé tout seul dans le living, il regarde 10 fois Batman et Robin. Ah, c'est pour ça. Ses parents voulaient la PlayStation. Ils auraient tout le monde la PlayStation. Et ses amis, ceux qui l'appellent Sega, l'ont
cause de ça. En cours de géographie, il est tout le temps puni. Il croit que la tour Eiffel est au Burundi, à Missile aussi. Et ses bulletins sont de plus en plus graves. Ça! Comment zapper un jeu de mots en disant hein. Donc, il croit que la tour Eiffel est à Tari, à Messine aussi. Et ses bulletins sont de plus en plus graves. Ça! C'est normal vu tous les cours que Marie embrasse. Ses parents voulaient l'appeler John. Ils ont eu. Et c'est devenu ce qu'il appelle Seigneur. Ils ont surnommé Mario à cause de ça. Une grosse crise de larmes à l'école. Et qu'on lui demande, mais pourquoi t'étais-ce? De toute façon, comme le dit son institutrice, seul sa Nintendo le console. Ses parents voulaient l'appeler John. Ils ont eu la PlayStation. J'ai envie de vous en faire une méga calme que je fais jamais non plus. Ben vous allez voir. C'est l'histoire d'une petite dame, une toute petite dame. Dès qu'un truc tournait pas rond, elle en faisait un drame. C'est l'histoire de tous ces gens qui, l'espace d'un instant, deviendront importants. C'est l'histoire d'une petite dame, une toute petite dame qui tient mal son volant. C'est l'histoire d'une petite dame et un jour ça dérape. De tous ces gens très heureux que le destin rattrape. C'est l'histoire de tous ces gens qui l'espace d'un instant d'urgence appellent le sang. C'est l'histoire d'une petite dame, une toute petite dame qui renverse un enfant. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait tout d'une dame. Et de qui tous les garçons tomberont sous le charme. C'est l'histoire de sirènes, une réaction en chaîne et puis des mots méchants. C'est l'histoire d'une petite fille, d'une toute petite fille qui a la tête en sang. C'est l'histoire du chirurgien qui la jeune fille opère. D'une maman foudroyée qui pleurait désespère. C'est l'histoire d'un téléphone qui au moment où il sonne va lui glacer le sang. Mais la petite est sauvée alors elle voit couler des larmes de soulagement. Cette histoire est un prétexte, une ruse infâme. Certaines ne vont pas aimer mes excuses, mesdames. Mais au vu de tout ceci, je dis tout ce que les hommes pensent souvent. Je suis d'accord avec eux, y'a rien de plus dangereux qu'une femme au volant. J'ai bien fait de venir. Bon, on va faire, je vous explique la suite, comme ça je vous prends pas en traître. J'en fais une dernière, on fait, je vais là, on fait un rappel, trois chansons. Ça c'est clair, moi j'aime pas les pièges. Tu dois pas aller là-bas, tu peux commencer. J'ai changé les paroles pour vous aussi. Elle s'appelle Poisson d'avril, c'est une chanson où il faut crier Poisson d'avril. Aujourd'hui matin, Mylène Farmer a souri. Voilà, ça c'était pour montrer aux autres. C'était comme l'exercice de la gamine qui fait au plint avant tout le monde. Hein, madame. Donc voilà. Aujourd'hui matin, Mylène Farmer a souri, tout le monde. Poisson d'avril. Flamand et Wallon sont de plus en plus amis. Poisson d'avril. Anne Sinclair doit vraiment être une bête au pieu. Poisson d'avril. Vachement mieux. Michel Martin est vraiment la bienvenue partout. Les tomates GM ont vraiment plus de goût.
C'est trop génial chez nous d'être un homme politique. Poisson d'avril, tu fous rien et tu touches les sons astronomiques. Poisson d'avril, poisson d'avril, jour et mars, en effet sur l'île de France. Poisson d'avril, grosse blague et petite farce. Le standard est géré par des hommes de confiance. Poisson d'avril. Pour l'Euro 2012, les diables ont toutes leurs chances. Poisson d'avril. La MJ vous offre à tous une tournée générale. Que ce serait classe de le faire, hein. on est 12 en tout, hein. on est 12,8, donc on va recommencer. Tony vous offre à tous une tournée générale. On va l'inciter encore une fois, attention, il s'appelle Denis Jehun, hein. Donc ça fait J'ai comme un feeling que ce soir c'est Denis qui régale, que ce soir c'est Denis qui régale. Ils sont tous partis, on s'en fout, t'es tout seul. J'ai comme un feeling que ce soir c'est Denis qui régale. Que ce soir c'est Denis qui régale. Que ce soir c'est Denis qui régale. Poisson d'avril. Merci infiniment, le rappel.